Bonjour à tous, à toutes et à tous. Bienvenue dans la troisième édition du GT du LIFV. C'est enfin le printemps à Vilnius. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. JT du LIFV s'enrichit de nouvelles rubriques que nous reprendrons dans chaque édition. C'est quoi ça, ces rubriques? On va voir ça tout de suite. Nous inaugurons une nouvelle rubrique qui s'appelle... Qu'est-ce qu'on mange à la cantine? Nous vous le révélons. Long, les secrets de la cantine. Pour cette édition, nous avons demandé aux enfants est-ce que c'est bon. Un mot, dislang. Dislang? Eh ouais, dans cette rubrique, on va prendre un mot et le traduire en dislang. Aujourd'hui, le mot printemps. En Lituanie, on est très fort au basketball. Tellement fort que même les Américains viennent jouer chez nous. C'est des Américains? Comment c'est possible? Arnoldas et Yoris vont tout nous expliquer. YouTube, vous connaissez? Bien sûr. Chaque journaliste va nous parler de son YouTuber favori. Cette année, tout le LIFV travaille sur les Jeux Olympiques. Chacun s'est inventé un pays. Est-ce que vous connaissez Pakawaka? Vitautas et Simona sont venus en classe de CE2, Lina, pour nous présenter ce pays. Le tutoriel de Paulus. C'est la nouvelle rubrique de GT. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre, Paulus? Aujourd'hui, je vais vous expliquer étape par étape comment énerver un animateur. Nos journalistes ont grimpé les montagnes. Rendez-vous tout à l'heure au sommet des plus hautes montagnes du monde. Une sénatrice est venue visiter l'école. C'est quoi une sénatrice? C'est qui? Nikita lui fait une interview. On regarde tout de suite son reportage. Bonjour, impressionnée. Bonjour, bonjour les enfants. Bonjour, je vais vous interviewer. C'est vrai. Je suis un journaliste du journal du LIFV. Alors, qui vous? Je suis? Alors, je m'appelle Joëlle Garriomélam et je suis sénatrice des Français de l'étranger, c'est-à-dire que je représente les Français qui habitent à l'étranger. Ils sont de plus en plus nombreux et donc le Parlement tient à écouter leur voix. Donc voilà, je suis une de ces sénatrices, une de ces parlementaires. Je ne me suis pas encore présentée, désolée. Nikita Simonov, enchantée. Ravie de te rencontrer. Très honorée. La deuxième question, c'est pourquoi, pourquoi vous êtes là? Alors, ce n'est pas la première fois que je viens à Vilnius. J'aime beaucoup les États baltes. Je trouve que ce sont des pays extrêmement intéressants, et en particulier la Lituanie, qui célèbre son 100e anniversaire. Et je fais partie d'une assemblée parlementaire des pays de l'OTAN, où je préside une commission et je représente le Sénat avec d'autres sénateurs dans cette assemblée parlementaire. Et donc nous avons aujourd'hui une réunion avec des parlementaires qui viennent de tous les pays de l'OTAN. Merci beaucoup. Mais vous restez combien de temps ici? Malheureusement, c'est une visite très courte, puisque c'est vraiment une visite pour cette commission permanente, mais j'ai bien l'intention de revenir une fois de plus. Ce n'est pas ma première visite à Vilnius et je reviendrai aussi. Je suis très heureuse de voir cette école qui est magnifique. Bonne continuation à tous. Merci. Continuez bien à travailler, à bien apprendre et je suis sûre que vous aurez, avec cet avantage considérable qui est à la fois la maîtrise du français, du lituanien, de l'anglais, vous êtes dans une excellente école, vous avez beaucoup de chance. Et donc je suis sûre que vous aurez un très bel avenir. Il faut continuer à bien travailler. À bientôt, j'espère. Au revoir. Oui, à merci. Bientôt. Au revoir. Et merci pour ton interview. Merci Nikita pour cette interview de la sénatrice. Maintenant, dans la classe CE de Lina, moi j'étudie, il y avait Vitautas et Simona qui sont venus pour nous présenter leur pays inventé, Pakawaka. Regardons leur reportage. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre île qui s'appelle Pakawaka. Et c'était créé par Simona, moi je suis Simona et ça c'est Vitautas. Donc l'introduction, Pakawaka est une petite île qui a beaucoup de nature et des couleurs, elle est très joyeuse. Le climat est très chaud, toutes les personnes sont très contentes. Le pays se situe dans le sud de l'Afrique. Et on va vous montrer la carte. Donc, Pakawaka est un pays Wookie. C'est une religion comme les catholiques, les bouddhistes, c'est aussi Wookie.
Donc, l'État. Je vous présente le président Simona Bondar qui est devant vous. On l'applaudit bien fort. Et je vous présente le premier ministre Vytautas Grigelavičius. Paka a waka a sina a esu dodon yay yay soro esu grala yo yo esu parasola nonos esu haba a a yay. Donc pour traduire, parce que je pense pas que vous avez compris, donc paka waka a l'égalité est notre nom, allez rouge et royal, jaune et le soleil. Aussi on a un symbole de notre île. Je vais vous montrer comment ça se fait. Donc, vous prenez vos doigts, deux doigts. Et ça, ça, le W, c'est pour Waka. Et ça, c'est l'égalité. Waka, donc, vous faites trois. On fait tous ça. En même temps. 3, 2, 1. Waka, égalité. Voilà. Merci. Pelle Paulus, je viens de journal télévisé. J'ai quelques questions à vous poser. La première question, c'est combien de temps ça vous a pris de faire cette carte de Paka Waka? Ça nous a pris 3 mois de faire le projet. On a vraiment beaucoup travaillé. Ça nous a pris 1 jour pour faire la carte. Et combien il y a d'habitants? 3 millions, 4 millions, combien? Comme j'ai dit déjà, ou Monsieur Vytautas a dit, notre île est petite, donc on a juste 1 million d'habitants. Donc c'est même 3 fois plus petit que l'Italie. C'était Paka Waka. Merci Paulus. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous ne le savez pas, mais notre JT du LIEV a été sélectionné pour le festival du ciné court en herbe à Stockholm. Kirillo et Gabriel sont allés à Stockholm. Regardons leur reportage. Bonjour à tous. Pour cette 3e édition du festival Ciné Court en Herbe, je m'appelle William et je suis en compagnie de Thibaut. Délégation de Vilnius avec des représentants de l'atelier vidéo. Donc, derniers applaudissements. C'est quoi l'harcèlement? L'harcèlement, c'est... Enquête sur 70 ans récréés par les lycées français de la Pays-Bas. Ah, c'est le parti danse. Oh, je suis vieux maintenant. Attends. Un, deux, trois. C'est dommage, on n'a pas gagné. Mais peut-être la prochaine fois. Comment dit-on printemps? C'est un mot, dit langue. Un mot. Primavera. Spring. Twintien. Aviv. Pavasaris. Nonru. Vesna. Elvira. Vyasna. Anitina. Voici le tutoriel de Paulus. Comment énerver un... animateur. Attention les enfants, la vidéo qui va suivre a été réalisée par des professionnels. Vous ne devez surtout pas le faire chez vous à l'école, c'est très dangereux. Vous savez comment énerver un animateur? Première étape, ne pas se laver les mains. Les enfants, se lavent les mains, allez-y. Vous lavez les mains,
Vous lavez les mains. Lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains. Deuxième étape. Criez comme des sauvages. Troisième étape. Ne pas ranger les sacs correctement. Mais c'est quoi ce bazar là? Mais rangez-moi ces sacs là. Maintenant, c'est mon étape préférée, de ne pas parler en français dans les couloirs. Mais pas le français, répond pas en français. Maintenant, cinquième étape, dormir en classe. Mais réveillez-vous là. Dernière étape, jouer avec les téléphones en classe. Qu'est-ce que vous faites avec tous ces téléphones hein? Vous les rangez tout de suite, hein? Sinon ça va pas. Je le répète, ne faites surtout pas ça. C'est trop énervant, surtout pour Nicolas. Et maintenant, nous vous révélerons les secrets de la cantine, mais d'abord, une petite page de publicité. Là. Chez The Rico. C'est vrai, il est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va manger dans la cantine? Qu'est-ce qu'on mange dans la cantine? Qu'est-ce qu'on mange dans la cantine? On mange le soupe avec des yaourts, on mange des pizzas. Et qu'est-ce que tu aimes à la cantine? Le soupe. Quelle soupe? Des macarons. Vous aimez manger à la cantine? Oui. Et qu'est-ce que vous aimez en particulier? Des crêpes. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je n'aimais pas de crêpes. Quelle crêpe? Crêpe de... Ben, d'accord. Certes, il y a quelqu'un qui aime les crêpes, il y a quelqu'un qui n'aime pas les crêpes. Mais si vous ne savez pas c'est qui Carabendo, c'est qui Squeezie, alors vous devez regarder le reportage tout de suite! Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un youtubeur de Singapour. Ce youtubeur il s'appelle Jin Hao Tan, il fait beaucoup de vlogs et il a millions de subscribers sur sa chaîne de YouTube. Et ces sortes de vidéos sont par exemple des challenges, il fait parfois des challenges, des vlogs et après il fait comme des parodies et etc. Bonjour, je vais vous faire un exposé sur Lucas Auchard, plus connu sous le pseudonyme de Squeezie. Il est né le 27 janvier 1996 à Vitry-sur-Seine, il a 21 ans. Sur sa chaîne YouTube, il se filme en train de jouer à des jeux vidéo tout en les commentant de manière amusante. Il avait 9 millions d'abonnés en octobre 2017. Sa chaîne secondaire, c'est Cyprien Gaming, avec Cyprien, un autre YouTuber français. Je vous présente un groupe qui s'appelle Covercardia. Ils chantent beaucoup de chansons célèbres. Cette chanson montre que les chansons de 1930 jusqu'à 2010, les chansons les plus célèbres. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe qui sait que tu vales à la sortie du lycée. Bonjour, je vais vous présenter le youtubeur Carbendo. Il est fan de Yo-Kai Watch, Pokémon et Mario. Il fait plein d'épisodes et est très gentil. Comme tous les youtubeurs, il voyage beaucoup et il a environ 1 million d'abonnés. Maintenant, le reportage sur la famille Bolz. Bonjour, peut-être vous le savez ou peut-être vous ne le savez pas. Mais ça, c'est deux joueurs de basket qui sont très fameux. Ils jouent à Priani Birchanas Vietotas. Mais pourquoi les joueurs si fameux et si forts jouent en Lituanie? Aujourd'hui, on va vous dire. Donc, la famille de Bol en 5 membres. Donc, le fils le plus âgé, Lonzo Bol, qui est maintenant NBA dans l'équipe de Lakers. Et ça, c'est Lamelo et ça, c'est l'Angela Bol. Ils jouent les deux rien de Birchon de Vietotas. Et là, c'est les parents. Depuis que tous les frères en étaient petits, leur objectif était d'être dans NBA.
Tout était pas mal, il était dans l'école, l'université, mais un jour, il y avait quelque chose qui a changé leur vie pour tout le temps. L'Angel de Ball, il est allé à UCLA, université à Californie, pour jouer au basketball là-bas, et après aller à NBA. Mais quand il était en Chine, il a volé de Louis Vuitton. Quand il a volé, UCLA, l'université où Liangelo jouait, ils ont dit qu'il est exclu parce qu'il a fait de. Il a volé ou bien. Oui, volé. Et donc le père, il a fait un très grand plan. Mais c'est quoi le plan? Le plan, c'est que comme Liangelo, il est exclu de l'université, donc Lamelo et Liangelo, ils vont aller jouer professionnellement contre les hommes plus âgés. Et donc, comme. Les équipes, ils ne veulent pas, mais il y a une équipe qui veut les battre. C'est Brian et Personne Obito. C'est cette équipe lituanienne. Oui. Donc voilà pourquoi ils sont dans le Obito. Ça, c'est leur entraîneur. Et comment ils jouent maintenant? Comment ils parlent en lituanien? Oui. Ils sont d'Amérique. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils essaient de jouer au basket là-bas, mais ils ne jouent pas très bien. Mais si un d'eux est 16 ans et l'autre est 17 ans, et l'aîné c'est juste de 18 ans, ils vont jouer deux saisons dans la Lituanie? Oui, et s'ils jouent bien, et s'il y a une équipe qui les meurt, donc ils vont aller à l'aîné. Ok, je commence à comprendre. Second et dernière nouvelle, ils sont déjà partis de Lituanie. Mais la bonne nouvelle, c'est que nos journalistes ont grimpé dans les plus hauts sommets des montagnes. Tout de suite, le reportage. Bonjour, je suis au sommet de l'Everest. Elle mesure 8,848 m. Elle est dans Népal et la Chine. Oh, bonjour tout le monde, je suis sur le montagne qui s'appelle K2. Sa longueur c'est 8611 mètres. Je suis fatiguée de grimper jusqu'à là-haut. Oh, bonjour, je suis en Kilimanjaro. La montagne mesure 5891 mètres. La montagne est en Tanzanie. Bonjour, je suis Ormo. Fuji, il mesure 3776 mètres. Je suis Elbrouz. Il mesure 5642 mètres. Il est en Russie. Bonjour, je suis au Mont Blanc. Il fait 4810 mètres de altitude. Il est en France et en Italie, c'est la frontière. Il est dans les Alpes. Il est dans. Bonjour, je suis en Italie. Il mesure 6190 mètres de hauteur. Bonjour, je suis sur le Monte Cinto. Il mesure 2706 mètres de hauteur. Il est en Corse. Dans le massif Corse. La part du JT de LIAV. Mais n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un like. Et maintenant, tout de suite, le trailer de Jeux Olympiques. Et n'oubliez pas de faire subscribe.